Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui c'est je trompe ma femme avec mon ex que j'ai toujours aimé. Je regrette d'avoir marié une femme que je n'aime pas en écoutant mes proches. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Oui, mes femmes sûres pour le thym caviar, pour le thym caviar, le 5 en 1. Le 5 en 1 est là. Ça part comme de petits pains. Dès que je reçois sa part, le 5 en 1 est là, mes chéris. Pour avoir un thym pata, pour avoir un thym caviar. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. J'ai dit pour avoir, toi, une femme, si tu veux avoir un beau thym, toi, une femme, si tu veux avoir un beau corps, tu n'as pas besoin forcément de t'éclaircir la peau. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, ta peau peut rester naturelle comme ça. Et puis, tu traites ta peau. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde ta peau est pure. C'est pur, c'est propre comme ça, c'est à sa brille comme ça, c'est beau. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est des produits, c'est-à-dire que le 5 en 1, c'est pas une crème. C'est pas quelque chose que tu appliques sur ta peau, non. C'est un liquide que tu bois tous les matins, à jeun. C'est-à-dire que le matin, quand tu te réveilles, tu n'as pas encore mangé, tu bois ça. Ça travaille de l'intérieur, c'est-à-dire que lui, il rentre dans ton corps, il nettoie à l'intérieur. Il enlève les végétus, il enlève les cellulites, il enlève les rides. Il enlève la fatigue. Il rend le teint pata. Parce que quand dedans est propre, là, dehors est nickel. Vous avez compris le 5 en 1. Un produit qui va tuer en ce moment. C'est un produit qui tue en ce moment. Toutes les femmes qui sont d'actualité, elles ont ce produit-là. Voilà. Vous-même, vous regardez votre coach. Vous voyez son teint. Le teint, il parle. Moi, mon teint, il parle. Il parle en langue. Voilà. C'est-à-dire, moi, mon teint ne parle pas en chinois. Parce que tout ce qui est chinois, c'est du n'importe quoi. C'est de la basse gamme. Entends-moi, mon thym parle en allemand, mon thym parle en français, mon thym parle en anglais. Voilà, ça c'est les vraies langues. Quand tu parles ça, c'est sûr que tu as du bon. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, je crois que crier là, ça fait partie de mon organisme. Ça fait partie de mon sang. Il ne me sent pas bien, mais je suis en train de remarquer que je suis en train de crier. C'est plus fort que moi. Après, il y a me retrouver malade. J'allais à l'hôpital, c'est pas grave. Mais quand je ne crie pas là, je ne suis pas bien. Donc moi-même, je dis que je suis malade là, mais je suis en train de crier encore. Ça veut dire que il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des filles là, elles ne comprennent pas. Ça veut dire qu'elles ne connaissent pas la vie. Il y a des femmes, elles ne connaissent pas la vie. Voilà, ça veut dire qu'elles, pour elles, un beau teint, c'est se rendre blanche ou un truc comme ça. Donc, quand elles sont en train de parler de moi sur les réseaux sociaux, elles disent, elles, son visage qui brille là, son visage qui est lumineux, qui est huileux là. Oh, mes chéris, ça se voit que vous ne connaissez pas. C'est ça, j'ai dit, moi, je suis dans l'excellence. C'est-à-dire que moi, j'aime un public, je vise un public excellent. Un public caviar. Parce que les you-you à Docaflé ne connaissent pas les choses. Donc, quand ton teint brille, ton teint est pata là, on dit ton teint est chose, est huileux. Entends, c'est pas ton teint brille. Mais on dit c'est huileux, pas ils connaissent pas où. C'est des you-you à Docaflé, ils connaissent pas les vraies choses, les bonnes choses. Vous qui connaissez les vraies et les bonnes choses là, je vous informe. Prenez de 5 en 1. Ça va tuer. C'est plus que du botox. C'est-à-dire que, on dirait que tu fais chirurgie. Tu rajeunis de jour en jour. Tu rajeunis de jour en jour. Vous-même, regardez votre coach caviar. Regardez mes vidéos d'aujourd'hui. Et regardez mes vidéos il y a un an en arrière. C'était pas pareil. C'est vrai que j'ai toujours été pâte à choco. Mais c'est plus pareil. J'ai perdu du poids. Et puis mon teint est devenu pâte. Mon teint est devenu pâte. Et puis j'ai rajeuni comme ça. Vous-même constatez, tout ça là, c'est les produits, c'est les gélules que je prends, les protéines que je prends, la tisane que je bois tous les jours, c'est tout ça, les compléments alimentaires, c'est tout ça qui me rajeunit comme ça, le 5 en 1, c'est tout ça. Voilà, donc, allons au sujet, mon frère, c'est ma connexion, c'est moi qui fais mon thème. Donc, si je suis en train de parler, avant d'aborder mon sujet, ça là, ça concerne que moi. Je suis libre de parler de ce que je veux. Ça veut dire que je peux commencer à faire ma promotion et puis après, je parle du thème. Maintenant, si ça ne te convient pas, tu peux te désactiver. Parce que c'est vrai que peut-être tu n'as pas beaucoup de connexion. Donc, tu veux qu'il parle vite. Mais s'il te plaît, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, quand il commence mon sujet là, quand il commence mon show là, il y a besoin de bailler, j'ai besoin de faire de la promo, il y a besoin de jouer la comédie avant de rentrer dans le sujet. Donc, ne me dis pas, allons au sujet. Non, c'est moi qui décide. C'est-à-dire que c'est moi tu regardes. C'est moi la boss, c'est moi la patronne de cette page-là. Donc, quand tu me regardes, tu dois t'adapter à ma façon de faire. C'est pas à moi de m'adapter à ta façon de faire. Vous avez compris? Oui. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est... Oui.
Le thème d'aujourd'hui, vous voyez la tisane, toujours ça manque pas. Je trompe ma femme avec mon ex, que j'ai toujours aimé, que j'aime à mourir, à la folie. Je regrette d'avoir marié une femme que je n'aime pas, en écoutant mes proches. Voilà, c'est-à-dire, il s'agit d'un monsieur, en fait, qui était avec son ex. Enfin, voilà, qui était avec son ex, il l'aimait. Il était fou d'elle. Il l'aimait à la folie. La fille aussi, elle l'aimait. C'est-à-dire que les deux s'aiment. Mais les parents, les amis ont commencé à mettre leur bouche dans ça. Ils ont commencé à dire au gars, mais cette fille-là, elle ne te convient pas. Cette fille-là, elle ne fera pas une bonne mère. Cette fille-là, elle n'est pas bien. Nous, on te conseille celle-là. Il y a une là. On va te la présenter. Elle, elle est bien. C'est une bonne femme. Elle fera une bonne femme. Elle fera une bonne mère. Voilà, elle, elle a envie de se marier. En tant que celle que tu aimes là, elle n'a pas envie de se marier. Elle, elle a envie de s'amuser. Donc, il faut la laisser. Il faut marier celle qui a envie de se marier là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils ont commencé à mettre ça dans la tête du gars. Doucement, doucement, il s'est dit, ah, peut-être qu'ils ont raison. Hein. Donc, j'ai marié celle-là. J'ai commencé à sortir avec elle. Donc, quand le gars a commencé à sortir avec celle qu'il n'aime pas là, même pas 2 mois, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. C'est comme ça. Oh. C'est-à-dire que relation même où toi-même, tu n'es pas prêt là. Quand tu commences à mougou, tout de suite, voilà grossesse qui vient. Et puis, tu as eu problème. Donc, ça veut dire qu'il allait sortir avec cette fille qu'il n'aime pas. Tout de suite, les premiers, c'est-à-dire que les premiers mougoulis, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Et vous savez qu'en Afrique, quand tu es enceinte une femme, tu dois aller la doter. Enfin, pas partout, mais il y a des ethnies là. Eux là, quand tu es enceinte leur fille là, tu dois la marier. Donc, ça veut dire que le gars, dès qu'il a commencé à mougou un peu la go, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, on lui a demandé de la marier, d'aller la doter et tout. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a commencé à vivre avec cette femme là. Cette femme qu'il n'aime pas. Vous avez compris? Mais, pendant qu'il était avec cette femme là, c'est-à-dire que son esprit était sur son ex. Son âme était sur son ex. Il l'aime, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à l'oublier. Donc, pendant qu'il était marié à cette femme qu'il n'aime pas, il se renseignait sur son ex. C'est-à-dire qu'il se renseignait toujours pour voir ce qu'elle devenait, qu'est-ce qu'elle faisait. Et il a appris que son ex s'est marié. Il a appris que son ex s'est marié. Et quand il a appris que son ex s'est marié, en fait, ça l'a découragé. Il s'est dit, mon Dieu, mince, cette femme-là, c'est elle que j'aime. Cette fille-là, c'est elle que j'aime. Pourquoi je suis venue marier celle-là? Je l'aime, je pense à elle, elle me manque. Mais malheureusement, quelqu'un est venu la prendre. Elle est mariée. Vous comprenez? Donc le mec, il est resté dans son foyer. Il est resté à la femme qu'il n'aime pas. Et il se renseignait à chaque fois. À chaque fois, il se renseignait sur son ex. Il se renseignait sur son ex. Et des années après, il a appris que son ex a divorcé. Et que son ex n'était plus avec son mari. Ça veut dire qu'elle était célibataire à nouveau. Vous avez compris? C'est comme ça qu'il est rentré en contact avec elle, son ex. Parce qu'en fait, il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus vivre sans elle. Il est rentré en contact avec elle. Ils ont commencé à se fréquenter. Quand ils ont commencé à se fréquenter, l'amour était encore plus fort. Comme s'il ne s'était jamais laissé. Comme s'il ne s'était jamais quitté. Parce que cette femme-là aussi, de son côté aussi, elle pensait à lui. Parce qu'elle l'aime. Donc, elle pensait à lui. Et ils étaient là comme ça. Donc, quand ils se sont retrouvés, le monsieur, c'est fini. C'est fini. Il ne pouvait plus vivre sans cette fille-là. Il ne pouvait plus. Il était avec elle tous les jours. Ils étaient ensemble tous les jours. Ils faisaient tout ensemble. Il passait tout son temps là-bas. Quand il ne travaillait pas, c'est là-bas qu'il restait. Tout ce qu'il veut faire, c'est avec son ex. Tout, enfin, son ex qu'il a retrouvé. Donc, ce n'est plus son ex. Donc, en fait, il a commencé à délaisser sa femme qui est à la maison de plus en plus. Il ne la supportait plus. Il ne la touchait même plus. Ça veut dire qu'ils étaient dans la maison là. Ils dormaient pratiquement plus dans sa chambre, dans la chambre conjugale. Ils dormaient au salon parce qu'ils ne voulaient plus sentir cette femme là. En fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'aimait pas sa femme. Mais quand il est rentré en contact avec son ex, ça fait que sa femme, il ne pouvait plus la supporter. Parce que maintenant, il était avec son ex. Il voulait être qu'avec son ex. Mais cette femme qu'il a mariée, qu'il n'aime pas, elle, ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 enfants. Et donc, ce monsieur-là, il se dit, mais celle-là, je ne l'aime pas. On a 2 enfants, on est mariés. Mais celle que j'aime là, la voilà qui est dehors. Comment je vais faire? Est-ce que je dois rester dans ce mensonge-là? Est-ce que je dois rester avec cette femme que je n'aime pas toute ma vie? Ou est-ce que
Je dois la libérer, moi-même me libérer, pour vivre mon amour avec celle que j'aime vraiment. C'est ça le problème. Donc, c'est ça le thème d'aujourd'hui. C'est comme ça que ce monsieur est rentré en contact avec moi et il a voulu que je parle de ce thème. Parce qu'il faut savoir que moi, je ne parle pas de tous les thèmes. Moi, ce n'est pas tous les thèmes que j'aborde. Ça veut dire que si tu m'as expliqué ton histoire, si ce n'est pas pertinent, je ne parle pas de ça. Mais quand c'est pertinent, je parle de ça. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas Yuyu Adokafle. Je ne suis pas une coach Yuyu Adokafle qui accepte tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, je trie. Ce qui me convient, je parle. Ce qui ne me convient pas, je ne parle pas. Ce n'est pas forcé. Donc, ça veut dire que c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Quand moi, je parle toujours là, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils viennent m'insulter. Ils ne comprennent pas, ils viennent me traiter de tous les noms. Moi, je vous dis que moi, je suis dans du... C'est-à-dire que moi, je suis dans du concret. Moi, je parle de la pratique. Moi, c'est pour ça que je dis toujours aux hommes. Je dis, toi, un homme, tu dois marier une femme que tu aimes. La femme que tu vas marier, ça doit être une femme que tu aimes. Voilà. Mais tu ne peux pas marier une femme que tu n'aimes pas. On ne marie pas une femme parce qu'elle est trop religieuse. On ne marie pas une femme parce qu'elle est d'une bonne famille. On ne marie pas une femme parce qu'elle est trop soumise. On ne marie pas une femme parce qu'elle a envie de se marier. On marie une femme parce qu'on l'aime. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, il ne peut pas marier une femme qu'il n'aime pas. Parce que les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Les hommes, ils ne savent pas faire ça. Un homme, même déjà, quand il marie une femme qu'il n'aime pas, cet homme-là, de plus en plus, il est de mauvaise humeur dans son foyer. De plus en plus, il fait subir. La femme est subie. Et la femme, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Voilà. Donc, toi, un homme, si tu as envie de te marier, que tu vas marier une femme parce que tes proches t'ont conseillé, il ne faut pas les écouter. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y a ce que ton proche te dit. Et puis, il y a ce que toi-même tu vis. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. On est sur cette terre, chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Chacun va mourir seul. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, tu iras seul dans ta tombe. Alors, ce que tu dois faire, ce choix-là, tu dois faire, ça doit venir de toi. Ça ne doit pas venir de tes proches. Voilà, c'est ça. Parce que vous écoutez toujours vos proches. Vous écoutez toujours vos proches. Ah, ma mère a dit que celle-là, elle ne veut pas d'elle. Ah, mon père a dit que celle-là, il ne veut pas d'elle. Mes proches ont dit qu'elle n'est pas bien. Qu'est-ce que vous appelez femme qui n'est pas bien? Femme, même quand elle est dans le foyer, même quand elle est heureuse là, elle devient bien. Voilà. Ce n'est pas écrit sur le front d'une femme, celle-là, elle fera une bonne mère. Non, toutes les femmes sont de bonnes mères. Toutes les femmes seront de bonnes mères. C'est-à-dire, où sont de bonnes mères? Une femme déjà, quel que soit ce qu'elle est, si elle est dans son foyer, quand elle est heureuse dans son foyer, elle devient une bonne mère. Voilà, même une lanceuse de foulard, même une prostituée. C'est-à-dire que toi, un homme, quand tu ramasses une, tu prends une prostituée dans la rue, là, et puis tu la changes, tu la maries, là, elle peut devenir une très bonne mère. Plus que celle-même de, qui va à l'église matin, midi, soir. Donc, arrêtez de dire que, oui, cette femme-là, elle ferait une bonne mère. Cette fille-là, elle ferait une bonne épouse. Mais c'est vrai, elle ferait une bonne épouse, peut-être. Mais tu ne l'aimes pas. Tu n'es pas fan d'elle. Voilà, tu n'es pas fan d'elle. Maintenant, tu es dans le foyer, là, et puis ton cœur, ton esprit, tout est sur ton ex. C'est-à-dire que tu ne dors plus à la maison. Tu ne respires même plus. Quand tu es à la maison, là, c'est ton ex qui est dans ta tête. Tu es tout le temps avec elle. Tu es tout le temps avec elle. Tu as voulu écouter tes proches, là. Voilà ça, Odu, dans quelle situation tu te trouves. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Toi, un homme même, quand tu es avec une femme, si cette femme-là, tu es sortie avec elle une fois ou deux fois, qu'elle est tombée enceinte, que la grossesse, elle ne peut pas enlever. C'est pas bien aussi. Avortement, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il faut garder les enfants. Parce que les enfants qui sont là, on ne sait pas. Peut-être que c'est un président de la République qui est dans ton ventre, tu ne sais pas. Donc, si tu tombes enceinte, là, ça ne sert à rien d'aller enlever. Il faut garder. Mais je dis, oh, toi, un homme, quand tu sors avec une fille, et puis elle tombe enceinte, tu sais très bien que tu ne l'aimes pas, là. Quand tu vas coucher avec elle, et puis elle tombe enceinte, là. Quand tu es au courant qu'elle est enceinte, et que tu acceptes de la marier, ou tu acceptes de vivre avec elle, si toi-même, tu sais que tu ne l'aimes pas. Les années passent, tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que l'amour ne vient pas. Mais il faut la libérer. Libère-la. Pourquoi tu ne la libères pas? Tu restes avec elle, tu fais deux, trois enfants. Et puis tu es avec elle, tu ne l'aimes pas. Maintenant, ton âme, ton esprit est sur ton ex. Tu fais tout avec ton ex. C'est-à-dire que ça, c'est quelle hypocrisie, ça? C'est quelle hypocrisie? Comment on peut... Moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Elle dit, les gens qui ont des mentalités... autant d'abla beaucoup. Les gens qui ont des mentalités autant de la préhistoire, là. Si vous voulez les écouter, là, vous allez toujours rester derrière. Vous allez toujours rester derrière. Parce qu'il y a des gens, ils donnent de mauvais conseils. Il y a des gens, là, eux, ils donnent des conseils. Ils pensent qu'on est encore en 1960. Maintenant, on est au 21e siècle. On est au 21e siècle.
Voilà, donc celui qui va donner un conseil là, Jean, il est trop sage. Ou mais Jean, c'est lui qui connaît les versets bibliques. Ça, c'est des conneries, ça. C'est des conneries. Moi, si j'ai envie de me mettre avec quelqu'un, même si le pasteur même vient me dire, celui-là n'est pas bon, faut le laisser, nanana, je vais dire, monsieur le pasteur, je vous respecte beaucoup, mais c'est avec lui là que je suis heureuse. Voilà, c'est lui là, moi, je veux. Pas toi, tu essaies de que tu me donnes conseil là, mais c'est pas toi qui vas vivre ma vie. C'est pas toi qui vas vivre ma vie. Donc, vous les hommes là, quand on vous dit des choses, vous n'écoutez pas. Vous partez prendre les enfants des gens. Vous ne les aimez pas, vous les mariez. Elles sont dans vos foyers là, vous les maltraitez. Vous les maltraitez parce qu'un homme, quand il n'aime pas une femme, il la maltraite. Involontairement. En fait, il ne fait pas exprès. C'est involontairement parce que quand tu n'aimes pas une femme, tu n'as pas envie d'être attentionné. Quand tu n'aimes pas une femme, tu n'as pas envie de partager des moments avec elle. Quand tu n'aimes pas une femme, tu n'as pas envie de la toucher. Quand tu n'aimes pas une femme, tu n'as pas envie même de lui faire plaisir. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, l'homme, tu maries une femme, tu ne l'aimes pas. Tu la maltraites tous les jours. Et cette femme-là, elle est mal dans son foyer. Elle subit. Elle est triste. Mais une femme même qui est dans son foyer, qui n'est pas aimée, quels que soient les produits que tu vas lui donner, quel que soit l'argent que tu vas lui donner, cette femme-là sera toujours fade. Elle sera transparente. Parce qu'une femme, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours. Voilà pourquoi on dit, une femme, quand elle est dans son foyer, quand elle est aimée, quand elle se sent désirée, il n'y a rien de tel. C'est plus que de la chirurgie. C'est plus que de la chirurgie. Ça veut dire que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, puis ton mari t'aime là. Tu n'as même pas besoin de mettre beaucoup de choses sur toi. Tu es déjà belle, tu brilles, tu rayonnes. C'est ça. Mais une femme qui est dans son foyer, qui n'est pas aimée, qui sait qu'elle n'est pas aimée, que son mari n'aime pas, cette femme-là, quel que soit ce qu'elle va faire, quel que soit l'entretien qu'elle va faire, elle sera jamais belle. En fait, elle sera pas rayonnante. Elle sera fade. Elle sera fade. Elle va pas briller, en fait. Elle est transparente parce qu'au fond d'elle, elle est déchirée. Au fond d'elle, elle est mal. Elle est attristée. Elle sent que cet homme ne l'aime pas. Voilà, c'est ça. Parce que moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Il y a de vous, les hommes, là. Dans la Bible même, là. Dans la Bible même, Dieu même a dit. Dieu même a demandé aux hommes d'aimer leur femme. Quand Dieu dit, homme, tu aimeras ta femme, là. Dieu n'a pas dit, va soulever une femme que tu n'aimes pas et puis il faut l'aimer. Non, non. Dieu n'a pas dit ça. Hein? Père, les gens, ils comprennent mal les trucs. Donc, comme on dit aux hommes, homme, tu aimeras ta femme. Tu vas le soulever une femme que tu n'aimes pas. Et puis, tu vas apprendre à l'aimer. C'est la femme qui apprend à aimer. Garçon, il ne sait pas apprendre à aimer. Garçon, il ne sait pas apprendre à aimer. On n'a qu'à se dire la vérité. Les hommes, ils ne savent pas apprendre à aimer. Voilà, ce sont les femmes qui savent apprendre à aimer. Donc, quand Dieu même dit, homme, tu aimeras ta femme, là, ça veut dire que l'homme choisit une femme par amour, marie une femme par amour. Parce qu'un homme, quand il marie une femme qu'il aime, cet homme-là, il devient un bon mari. Cet homme-là, il devient attentionné. Cet homme-là, il fait plaisir. Il devient un bon père. Voilà. Mais vous, vous êtes là. Vous prenez les femmes, vous ne les aimez pas. Et puis vous êtes là, oui. Oui, c'est-à-dire que Dieu l'a demandé. La dernière fois, je faisais un direct. J'ai dit, une femme qui reste vierge jusqu'à 32 ans, 33 ans, qui va se marier, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont venus me mettre des versets ici pour dire que c'est ce que Dieu demande. Quand Dieu dit, une femme doit rester vierge jusqu'à son mariage, là, c'est parce qu'au temps de Jésus, au temps d'Abraham, là, les filles, là, elles se mariaient tôt. Elles se mariaient à 19 ans. Elles se mariaient à 20 ans. Voilà, donc elles étaient vierges. Mais toi, tu es resté là jusqu'à 32 ans. Et puis tu dis, c'est ce que Dieu a demandé. Dieu n'a pas demandé ça. Hein? Dieu, parce que Dieu, pour lui, une jeune fille, à partir d'un certain âge, doit être mariée. C'est pour ça qu'il a dit, tu vas rester vierge. Mais si tu es resté comme ça jusqu'à 32 ans, tu allais te marier. Maintenant que tu vas souffrir dans ton foyer, c'est normal parce que tu connais rien. Tu connais rien. C'est-à-dire que toi, toute ta jeunesse, là, au moment où tu devais apprendre des choses, toi, tu étais là, tu étais vierge. Bon, c'est à quel moment tu vas connaître des choses. À 32 ans, là, c'est déjà mort. C'est déjà mort. On n'a qu'à se dire la vérité, mon cher. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des messages là. On n'a pas besoin d'être pasteur pour faire passer. On n'a pas besoin d'être prophétesse pour faire passer. On doit réfléchir. On doit être intelligent. On doit être intelligent. On doit être réaliste. On doit être réaliste. Toi, un homme, tu as te lever, tu as marié une femme que tu n'aimes pas. C'est quoi? Une femme que tu n'aimes pas, c'est quoi? Maintenant, tu es avec ton ex, tu es fond d'elle. Tu es avec ta femme là. Mais ton ex là, tu la laisses pas. Tu dors chez elle, tu manges avec elle, tu es toujours dans ses reins. C'est-à-dire que tu es sur elle tous les jours comme ça, parce tellement que tu l'aimes. Tellement que tu l'aimes, tu ne sais plus quoi faire. Mon frère, faut libérer enfant des gens. Faut libérer enfant des gens. C'est-à-dire que toi, un homme, si tu es avec une femme que tu n'aimes pas, au lieu qu'elle reste dans ton foyer pour la maltraiter là, pour la faire subir là, faut la libérer. Si une femme avec qui tu es, si tu ne l'aimes pas, mais peut-être qu'il y a un autre homme qui va l'aimer. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que qui vous dit que
quand on est marié, on est obligé même de rester ensemble si on n'est plus heureux. Qui vous dit ça? Ça, c'est la mentalité rétrograde. Ça, c'est une mentalité rétrograde. Ça veut dire que toi, un homme, si tu es avec une femme que tu n'aimes pas, si tu maries une femme que tu n'aimes pas, ça ne veut pas dire que cette femme-là, elle est moche. Ça ne veut pas dire que cette femme-là, ce n'est pas une bonne femme, mais c'est juste que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Donc, il faut la libérer. Libère-la. Elle va aller rencontrer un autre homme là qui va l'aimer. On a quand même dit la vérité. Parce qu'enfant des gens, elle est dans ton foyer. Tu la maltraites. Tu la regardes plus. Rien du tout. Tu ne la touches même pas. Toujours tu es dehors avec ton ex. Tu es en train de lever avec ton ex. Tu fais tout avec ton ex. Mais ça là, comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. On a quand même dit la vérité. Ça veut dire que là, là, il y a des gens qui vont venir s'asseoir chez vous pour dire oui, faut la garder. C'est ta femme. Oh. Vous avez des enfants ensemble. Donc pensez aux enfants. Restez ensemble. Mais vous-même, vous n'avez pas encore compris la vie, quoi. Un enfant même qui est dans le foyer, qui est dans sa famille, qui voit que sa maman pleure tous les jours, qui voit que sa maman est triste, qui voit que son papa s'occupe pas de sa maman. Mais cet enfant-là est encore plus triste que lorsqu'ils seront séparés, il va voir sa maman épanouie. Parce qu'un enfant, sa maman, c'est son modèle. Un enfant, quand il voit le bonheur dans les yeux de sa maman, c'est ce qui le rend heureux. Mais un enfant qui voit dans le regard de sa maman la tristesse, les pleurs, un enfant qui regarde sa maman, qui voit que la maman ne dort pas, tellement qu'elle est attristée, elle voit que le papa n'est jamais là, l'enfant qui voit que le père n'est jamais à la maison, mais l'enfant il est plus attristé, il est plus triste, il est plus malheureux. Donc pourquoi dire à des gens qui ne sont plus heureux ensemble, des gens qui ne s'aiment pas, oui, à cause des enfants, attrape ton cœur. À cause de, donc, il n'a qu'à attraper son cœur, il n'a qu'à rester à la femme là. Et puis tous les jours, il est avec son ex là-bas. C'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez que la femme reste dans son foyer là, pour souffrir quoi. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Pas franchement. Franchement, c'est trop quoi. Trop, c'est trop. Il y en a marre. Il y en a marre de voir des choses même où tu te demandes même comment les gens y réfléchissent. Comment les gens y réfléchissent. Est-ce que c'est parce qu'on a des enfants ensemble qu'on ne doit pas se séparer? Ben on peut se séparer pour le bonheur même des enfants, pour le bien des enfants. Et puis toi, l'homme, comme ton ex, tu l'aimes. Tu n'arrives pas à l'oublier. Mais tu vas rester avec elle. Tu libères la femme, la pauvre femme là. Et puis tu vas rester avec ton ex. Elle aussi, elle va rencontrer un homme qui l'aime. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu nous a mis sur cette terre là. Il a créé notre double, notre moitié. Et puis ils sont là, ils sont dans le monde là. Donc souvent, toi, la femme, quand tu te trompes et puis tu n'es pas avec ta moitié, tu es dans le foyer, tu es malheureuse, tu es triste. Bon, il faut quitter le foyer là, tu vas retrouver ta moitié. Toi l'homme aussi là, ta moitié là, tu n'es pas avec elle. C'est pour ça, tu es mal. Mais quand tu vas la libérer là, tu vas retrouver ta moitié. Et puis tu seras heureux. Parce que le plus important c'est d'être heureux. Le plus important là c'est d'être heureux. C'est quoi le problème? Parce qu'on dit quand on vit là, on vit. Vous pensez que quand on vit là, c'est-à-dire vous êtes là, vous ne vivez pas, vous traversez la vie. Vous traversez la vie. Vous ne vivez pas, vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas envie, c'est-à-dire vous, votre vie là, c'est pas ce que vous voulez. Mais vous êtes dedans comme ça, à cause des gens, pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir aux proches, n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que toi-même ta vie là, tu vis pas pour toi, c'est pour les gens toi tu vas vivre. Les gens même que tu écoutes là, eux-mêmes là, quand ils sont en train de vivre leur vie là, ils t'écoutent. On peut pas plaire à tout le monde. Sur cette terre, on plaira jamais même à personne. Parce que c'est elle, quel que soit ce que tu fais, même le pape même, c'est-à-dire que le pape même, c'est-à-dire les hommes de Dieu même qui sont les représentants de Dieu là, on les critique tous les jours, on les insulte tous les jours. Donc si un homme met un représentant de Dieu même, on l'insulte, on le dénigre tous les jours là. Mais c'est pas nous autres là, nous les youyou, les mougou là, c'est pas nous à nous là, on va nous rater, nous-mêmes là même, on va nous écraser tous les jours. Donc c'est comme ça, ça est. C'est comme ça, ça est. C'est pas pour ça que tu vas pas vivre ta vie. Un homme a besoin d'être marié à une femme qu'il l'aime. C'est très important. C'est très, très important. Un homme qui est avec une femme qu'il n'aime pas, cet homme-là, il se fait souffrir. Il fait souffrir cette femme-là. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien de plus humiliant. Toi, une femme, quand tu es dans ton foyer et ton homme, il ne te touche pas. Il n'a pas envie de te toucher. Tu dors dans la chambre, il dort au salon. Tu dors dans la chambre, il dort dans une autre chambre. Tu as dit que tu ne le vois même pas. Il ne te regarde même pas. Il n'y a rien de plus frustrant. Toi, une femme, quand tu vis ça, tu es mal. Tu es mal tous les jours. Mais ça dit que c'est une souffrance. C'est une souffrance. Donc, autant vous libérer. Toi, l'homme, il faut libérer la femme. Il faut libérer la femme. Moi, c'est ce que je vous dis, hein. C'est ce que je vous dis. Parce qu'il y a des comportements que vous faites là. Et puis vous-même, quand vous êtes dans votre réalité là, vous-même, vous savez que ce que vous faites là, c'est pas bien. Mais aux yeux des gens, vous donnez genre, vous faites genre. Moi, je ne suis pas dans genre. Je ne suis pas d'argent, dans genre. Un homme qui est avec une femme qu'il n'aime pas, s'il n'a pas pu oublier son ex, et que son ex aussi n'a pas pu l'oublier là,
S'ils se sont remis ensemble là, il doit libérer la femme. Il doit libérer la femme qui est à la maison. Son épouse, là, il n'a qu'à la libérer. Il n'a qu'à la libérer, c'est mieux. Au moins, s'il est avec l'autre, c'est mieux. Plutôt que de rester là, tu es avec ton épouse. Et puis ton épouse, là, mais elle ne sait même pas que tu es un homme. Elle ne sait pas que tu es un homme. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme qui n'arrive pas à oublier son ex, qui est toujours avec son ex. Cet homme-là, il va te toucher comment même dans la maison. Comment même il va avoir envie de toi. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est-à-dire que quand il finit avec son ex comme ça, puis il rentre à la maison, son actuel, son ex qui est devenu son actuel, quand il rentre à la maison, il n'a même pas vu. C'est-à-dire que tu sens dans son nez. Tu sens dans son nez. Tout ce que tu fais l'énerve. Tout ce que tu dis l'énerve. Voilà, c'est-à-dire que tu fais rien de bon. Quel que soit ton entretien, quel que soit ton style, l'homme là, il ne va pas te regarder. C'est ça, garçon, quand il n'est pas amoureux, là, c'est comme ça. Moi, c'est ce que je dis. Il y a un homme, quand il n'est pas amoureux, tu vas devenir belle comment. Tu vas t'entretenir comment. Si tu veux, même va prendre une relouqueuse. Elle va te relouquer de la tête aux pieds. Zéro. Cet homme-là, il ne va même pas te regarder. Il ne va même pas te regarder même pour t'apprécier. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Lui, il s'en fout de ça. Parce qu'il n'est pas fin. Il n'est pas amoureux. Il ne t'aime pas. Donc, quel que soit ce que tu vas faire là, lui n'a qu'à faire quoi avec ça? En fait, lui, c'est même pas ta personne même qui n'aime pas, c'est ton âme même qui n'aime pas. C'est-à-dire que ton âme là, ton âme, ta personne, ton tout là, il n'aime pas. Donc, si tu veux même faire aller faire chirurgie, tu vas ressembler à Kim Kardashian. Il va même pas regarder ça. Il va pas regarder. Quand tu vas passer dans la rue là, tout le monde va t'apprécier. Mais lui là, quand tu es devant lui là, même un mot, ça sort pas de sa bouche. Une appréciation, ça sort pas de sa bouche. Parce qu'il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Il n'y a rien. En fait, il te voit même pas. C'est ça. Donc, un homme comme ça, il doit faire attention. Il doit libérer la femme. Il doit libérer la femme. Oui, amour qu'elle a là, ça ne connaît pas. Chez les hommes surtout, là, ça ne connaît pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, la femme même, tu sais que ton mari, il a repris contact avec son ex. Tu sais que ton mari est toujours avec son ex. Mais tu ne peux rien dire. Tu bavardes, tu fais palabre tout. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand tu fais palabre même là, le lendemain, là, c'est là il va faire 2 jours là-bas. Il va faire 3 jours là-bas. Il emmène partout. Il est avec elle partout. Il la présente partout. Ça dit qu'il pleure dans ses bras. Il lui dit toujours qu'il l'aime. Il est fou d'elle. Il est fou d'elle. Tu sens que cet homme-là, il est tout le temps avec elle. Il fait tout avec elle. Il partage tout avec elle. Toi, tu es juste à la maison. Tu es juste à la maison. Ça dit que tu es juste la femme. Mais est-ce que toi, tu es venu te mettre dans le foyer là pour devenir comme les meubles? Pour devenir comme les meubles. Toi, une femme, si tu es dans le foyer, puis tu penses, tu as l'impression que tu fais partie des meubles, des canapés, la télé, tout ça, là, ma chérie. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Oui, il faut gagner temps. C'est ça qui est quoi? Bah, y a des femmes, elles disent, oui, je sens que mon mari ne m'aime pas. Il me maltraite. Il ne me regarde même pas. Il ne s'occupe même pas de moi. Mais si je m'en vais là, les gens, comment les gens vont penser de moi? Comment les gens vont me prendre? On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On s'en fout du jugement des gens. On fait rien avec ça. Oh, Jésus même qui est venu même sur la terre, le monsieur aussi saint. Il n'y a pas un homme plus saint que Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Il prêchait que de la bonne parole. Ça veut dire qu'il ressuscitait les morts. Les aveugles voyaient clair. Mais le monsieur là, malgré tout ce qu'il faisait, c'est pas pour dire qu'il portait Weston. C'est pas pour dire qu'il portait Lacoste. Il ne connaissait pas tout ça, ce n'était pas son problème. Il ne cherchait pas femme, ce n'était pas son problème. Pour dire que oui, lui, il a cherché femme de mon ami. Ou bien il a cherché ma femme, on va le tuer. Ou bien il a porté Weston, il est trop sapé, on va le tuer. Non, Jésus, il ne connaissait pas ça. Lui, il était pur dans son boubou blanc. Tous les jours dans son boubou blanc. Pur comme ça. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin, il prêche. Il dort, il prêche. Lui, il ne faisait que prêcher. Mais malgré ça, les hommes ont trouvé qu'il n'était pas bien. Ils sont allés le tuer. Ils sont allés le tuer. Donc, c'est pour vous dire, Jésus même qui est irréprochable, ils ont fini à lui. Donc, ce n'est pas toi un être humain, on va te rater. Ce n'est pas toi un être humain, on va te rater. Arrêtez de vivre pour les autres. Arrêtez de vivre pour les autres. On ne vit pas pour les autres. Quand tu vis pour les autres, quand tu te retrouves dans ta tombe, ma chérie, tu pleures tous les jours sur ta tombe. Tous les jours, ton âme se réveille. Et puis ça pleure tous les jours sur ta tombe. Parce qu'en fait, tu n'as pas vécu. Tu es resté là à t'occuper des gens. À t'occuper de quand diront-on? Quand dira-t-on? Mais quand diront-on là? Hein? À t'occuper de ça. Tu vas faire quoi avec ça? Toi, un homme même, c'est-à-dire que
Tu as envie de prendre une décision, mais tu as peur. Oui, qu'est-ce que mes parents vont penser? Mes parents vont se fâcher. Les gens vont mal me juger. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Les gens vont mal te juger. Puis c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Ils n'ont qu'à mal te juger, c'est leur problème. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Mais si ma vie ne te plaît pas, si tu trouves que le choix que j'ai fait, ça ne te convient pas, ça ne te plaît pas, faut plus me parler. Faut plus me parler. Faut plus me fréquenter. Amitié, là, c'est forcé. Est-ce que le lien de parenté, là, c'est forcé? Voilà. C'est-à-dire que tu peux être dans ta famille et puis tu vas couper le pont avec tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'entente. Parce que vous ne vous aimez pas. Ça existe. Et puis, ce n'est pas méchant. C'est comme ça la vie. Donc tes amis aussi là, tu as des amis aussi que tu peux ne plus fréquenter. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait pas de toi une personne méchante. Mais c'est parce qu'en fait, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Voilà, toi tu as fait ton choix, ils n'acceptent pas ton choix. Ou eux ont fait leur choix, toi tu n'acceptes pas. Donc vous vous séparez. C'est la vie, c'est comme ça. Donc toi un homme, si tu as envie de prendre ta décision, toi c'est à cause des gens. Tu as peur là. Mon frère, faut prendre ta décision. Faut prendre ta décision. Ce qui est à César doit revenir à César. Ce qui est à César, ça doit revenir à César. Voilà. Quand il a fini là, vous allez cotiser pour acheter mes médicaments. Parce que je suis en train de parler là. Ma tête veut exploser. Mais il faut que je crie. Aujourd'hui, quand il finit direct là, vous tous, vous allez cotiser pour m'amener à l'hôpital. Même si j'ai mutuelle, c'est pas grave, vous allez cotiser quand même. Parce qu'à cause de vous-même, je crie, je suis malade. À cause de vous, maintenant, il y a problème de tête. Avant, je n'avais pas problème de tête, mais maintenant même, il y a mal à la tête. Tellement que je crie, tellement que je parle. J'ai mal à la tête comme ça. Vous allez cotiser cette fois-ci. Vous allez cotiser cette fois-ci. Toi, un homme, c'est-à-dire que toi, un homme, si tu n'aimes pas ta femme, pas. Si c'est-à-dire que tu as repris avec ton ex, que tu aimes ton ex, faut quitter. Libère la femme. Libère la femme. Que ce qui est à César revienne à César. Voilà. Ce qui est à César doit revenir à César. Voilà. C'est-à-dire que celle que tu aimes là, c'est elle qui est pour toi. C'est toi qui es pour elle. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Celle avec qui tu es dans ton foyer, là, que tu n'aimes pas, tu maltraites tous les jours, là. Elle aussi, là, elle est pour quelqu'un. Faut la libérer, elle va aller chercher. Faut la libérer, elle va aller chercher. Vous mentez, vous mentez, vous mentez. Vous vivez sur cette terre-là, vous mentez tous les jours. Vous ne faites même pas ce que vous voulez. Vous êtes dans des relations, vous ne vous aimez pas. Vous vous maltraitez, vous êtes mal tous les jours. Vous ne voulez pas prendre de vraies décisions. Où vous allez vous sentir heureux? À cause des gens. On s'en fout des gens. C'est moi qui ai dit ça. On s'en fout des gens. Moi, je suis là, je m'en fous de quelqu'un. Tous les jours que Dieu fait, on m'insulte. On prend ma photo. Mes photos, là, on prend, même sur tous les magazines là. Les gens m'insultent jusqu'à. Ils disent, mais eux, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ben, tous les jours, vous parlez de moi. Vous m'insultez. Vous dites, je ne suis pas une bonne coach. Je ne suis pas exemplaire. Je ne suis pas comme ci, comme ça. Je n'ai pas de diplôme de coach. Mais, il a tué. En ce moment-là, je suis numéro un. Je suis numéro 1. Il n'y a pas on dit. C'est pas on dit. C'est même pas on dit. Je suis numéro 1 sur la planète entière. J'ai client direct du sable. C'est-à-dire que vous me dénigrez tous les jours, mais c'est là même j'ai client. C'est là même les gens s'abonnent. Ma page là, ça n'a même pas encore un an. Ma page là, la page où vous me regardez là, ça fait même pas un an. Je l'ai ouvert en août 2018. Ça fait pas un an, mais je suis à plus de 100 000 abonnés. Voilà. Vous avez compris? Donc imaginez quand ma page va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est tué. Il est tué. Je suis numéro 1 en ce moment. Ce n'est pas on dit, ce n'est pas Yaya. Voilà. Donc vous me dénigrez là. Vous faites ma publicité. Vous faites ma publicité. Vous m'aimez trop. Vous me dénigrez, mais vous ne ratez pas mes directs. Vous me dénigrez, mais vous êtes toujours sur mes directs. Parce que vous me dénigrez, mais au fond de vous là, vous savez que je suis forte. Je suis forte. Pour moi là, c'est talent de Dieu. Pour moi, là, c'est don de Dieu. Oui, il y a des gens, ils sont là à l'école de coach. Il y a des gens, ils ont suivi formation de coach. Eux, là, quand ils s'arrêtent là, pour faire coaching là, eux, ils sont dans la théorie. Ils sont dans la théorie. Ils disent ce qui est écrit dans le livre. Ils disent ce qu'ils ont appris. Mais ils n'ont rien à voir avec la réalité. Moi, je suis dans la pratique. C'est-à-dire que moi, là, ma formation qui est suivie, c'est la formation de Dieu. C'est Dieu qui m'a formé. C'est Dieu qui m'a donné ce don-là. Donc, moi, je connais ça, on dirait amusement. Je connais ça, on dirait amusement. C'est ce qui dérange. Ça dérange, on dit, mais celle-là sort d'où? Elle est trop fracassante. Elle est trop forte. Oui, elle vient d'où? Elle vient d'où? C'est Dieu qui l'a envoyée. Je suis une envoyée de Dieu. Dieu, là, quand il veut t'utiliser, là, il peut prendre une prostituée dans la rue.
Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu veut t'utiliser, tu as besoin d'être toujours à l'église. Dieu, là, souvent, il prend une prostituée dans la rue. Et puis, il dit, toi, tu vas travailler pour moi. Il peut prendre un braqueur, un homme qui braque, qui tue. Et puis, il dit, toi, tu vas travailler pour moi. Donc, ceux qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais lui, là, c'est un braqueur. C'est un ancien braqueur. Celle-là, c'est une ancienne prostituée. Mais ça, c'est celle sont avant. C'est avant. C'est avant. Maintenant, là, il travaille pour Dieu. Maintenant, là, elle travaille pour Dieu. Voilà. Dieu, là, il utilise les gens comme il veut. Il y a des gens, là, Dieu les utilise pour parler de la Bible. Et puis, il y a des gens, là, Dieu les utilise pour parler de la vie de couple. Parce que la vraie même, c'est-à-dire que le vrai enseignement, là, le vrai travail de Dieu, là, c'est réunir les couples. C'est de rendre les gens heureux. Et puis, c'est ce que nous, on fait. C'est ce que nous, on fait. C'est-à-dire que nous, quand on fait direct, là, le bien que les gens ressentent, là, même à l'église, ils ne ressentent pas ça. Même chez Marabout, ils ne ressentent pas ça. Même chez un psychiatre, un psychiatre même là, tu ne trouves pas ça. Bien que tu le trouves dans nous là. Donc c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu. Que ce qui est à César revienne à César. Que ce qui est à César revienne à César. Une femme que tu n'aimes pas, libère-la. Faut la libérer. Même si elle t'a fait 50 enfants, faut la libérer. Libère-la. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Un homme a besoin d'aimer la femme avec qui il est. Un homme, il a besoin d'aimer la femme avec qui il est. Quand il n'aime pas une femme, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est un enfer. C'est un enfer. Il y a des gens qui diront, mais toi, tu n'es pas un homme. C'est-à-dire que tu es un maudit. Parce que toi, tu aimes n'importe qui. Celle-là, la fille Jantra, là. La fille Jantra, là. Tout le quartier l'a moussé. Toute la ville l'a moussé. C'est elle que toi, tu vas marier. Mais mon frère, ça, c'est vous qui jugez. C'est vous qui jugez. La Jantra du quartier, là. La prostituée du quartier, là. Que tout le quartier a mouru, là. Elle, là. Quand elle veut changer là, il n'y a pas l'homme pour elle. Quand elle est dans le foyer, puis elle veut devenir une bonne femme là, elle est mieux même que celles qui sont toujours à l'église. Celles qui dorment toujours à l'église là, elle est mieux qu'elle. Voilà. Donc arrêtez de voir l'apparence des gens et puis vous allez juger. Toi, un homme, si tu aimes une femme, quelle que soit ce qu'elle est, tu peux la changer. Une femme, on la change. Une femme, on la change. Une femme, quand elle est dans son foyer, elle est heureuse dans son foyer, elle change. Quelle que soit la femme, même si c'est une prostituée, elle change. Elle devient la femme la plus fidèle du monde. Même une femme que tu as connue, que tu aimes, tu as envie de la marier, tes proches ne veulent pas, marie-la. C'est elle que tu aimes, c'est elle qui te rend heureux, c'est elle qui te rend heureux, c'est avec elle que tu te sens bien. Elle là, elle fumait, elle faisait des bêtises, mais elle serait une bonne femme. Elle serait une bonne femme, elle serait une bonne mère. Qu'est-ce que vous appelez bonne mère? Donc arrêtez d'écouter les proches. Arrêtez d'écouter les proches. On a beaucoup d'exemples. Des femmes qui n'étaient pas sérieuses. Des femmes qui n'avaient pas le profil de bonne femme. Mais aujourd'hui, elles sont des épouses par excellence. Elles sont à féliciter. Elles sont un modèle. Elles sont un exemple. Parce qu'elles sont sages. Elles sont intelligentes. Elles sont exemplaires. Voilà. L'homme change la femme. L'homme change la femme. La femme, quand elle est heureuse, elle change pour faire plaisir à son homme. C'est comme ça. Donc, toi, un homme, c'est pas parce qu'une fille est comme ça, mais si tu l'aimes, tu vas la laisser pour aller soulever une fille qui dort à l'église tous les jours. Celle qui dort à l'église tous les jours, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Quand tu es avec elle, là, tu n'es pas bien, mon frère. C'est quoi? Tu es avec elle, tu n'es pas heureux. Tout ce qu'elle fait, ça ne te plaît pas. Même si elle a préparé même sa nourriture, tu trouves qu'il n'y a pas du sel. Sa nourriture, tu trouves même qu'il n'y a pas piment dedans. Parce qu'en fait, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Donc, tout ce qu'elle fait, ça t'énerve. Tout ce qu'elle fait, ça t'énerve. Mais tu entends l'amour ou même tu trouves qu'elle ne me goûte pas bien. Tu as trouvé qu'elle ne me goûte pas bien. Tu as trouvé que sa foufoune là, c'est pas bien. C'est pas bien nettoyé, c'est pas propre. Bah, tu vas trouver toujours quelque chose à dire parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Garçon, quand il n'aime pas, c'est comme ça. Garçon là, quand il n'aime pas, c'est comme ça. Sinon, il y a des garçons là. Eux là, ils vont dénigrer des femmes. Mais ces femmes là, elles là, il y a des hommes qui sont fous d'elles. C'est comme ça. Un homme quand il n'est pas fan de toi, toi la femme il te dénigre. Il te dénigre. Il trouve que tu es sale. Il trouve que tu sais rien faire. Tu sais pas mougou. Rien du tout. C'est parce qu'il t'aime pas. Mais quand tu vas tomber sur un homme qui t'aime là, lui il trouve que tu es un dieu au lit. Il trouve que tu es propre. Il trouve que tu es bonne. C'est ça. Ça, c'est garçon. Garçon, quand il n'est pas amoureux, là, quel que soit ce que tu es, ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Donc, s'il vous plaît, arrêtez votre hypocrisie, là.
Votre hypocrisie l'a arrêté. Vivez votre vie. Un homme doit être amoureux. Un homme, même si tu n'es pas amoureux, à la folie. C'est-à-dire qu'une femme avec qui tu es, si tu ne l'aimes pas à la folie, mais si tu tiens à elle, s'il y a quand même des sentiments, cette femme-là, prends-la. Prends-la. Tu es en train de m'appeler même. Oh. Prends-la, mon cher. C'est qu'il y a petit sentiment. Au fur et à mesure, le sentiment-là, ça va grandir. Mais une femme, il n'y a même pas sentiment. Tu ne l'aimes pas. Elle te manque jamais. Rien du tout. Il n'y a rien sur elle qui te plaît. C'est-à-dire que ce n'est pas ton genre. C'est pas ton genre. Toi, tu es le gars, tu aimes le genre de la coche choco. Mais c'est là, tu as le soulevé une fille. Son genre même là même c'est un yu yu de caflet. Bon, parce qu'elle a un bon comportement. Ou bien parce qu'elle est d'une bonne famille. Tu t'en as soulevé. Mais c'est pas ton genre, mon frère. C'est pas ton genre. C'est pas ce qui te plaît. Voilà. Donc ça fait que tu es avec elle, mais tu ne la touches pas. Elle est juste ta femme. Quand tu la touches là, c'est une seule fois par an. Elle tombe enceinte, c'est tout. Mais tu la touches pas régulièrement. Parce que c'est pas ton genre. C'est pas ton genre. Un homme, il doit être son genre. Un homme, il doit choisir la femme qui est son genre. La femme qui l'aime. Un homme, quand il est avec une femme qui l'aime, qui est son genre, cet homme, il est toujours heureux. Il est toujours heureux. Oui. Il a toujours envie d'elle. Il fait tout avec elle. Et puis, il fait tout pour la rendre heureuse. Et ça fait que cette femme-là, elle commence à changer sa mentalité. C'est-à-dire que si elle gérait les ouais, là, elle arrête de gérer les ouais. Elle arrête de gérer les ouais. Quelle femme même qui rentre dans le foyer dès le départ, qui commence à sortir avec un gars dès le départ, et puis elle fracasse pas à côté. C'est quelle femme? Ça n'existe pas, mon cher. Ça n'existe pas. Quand tu es avec ton gars même là, dès le départ là même là, au début là, tu fracasses à côté, ben tu n'es pas sûr de ton choix. Donc tu fracasses. Non mais si la relation devient sérieuse, que le gars il veut te marier, quand tu vois que le gars il te prend bien, ben tu arrêtes de fracasser à côté. Tu arrêtes de fracasser à côté, puis tu as ton gars, tu deviens très sérieuse. On va se dire la vérité. Donc, c'est-à-dire que tu as venu t'asseoir, quoi, oui. Moi, en tout cas, oui, moi là, quand je suis avec un homme, je suis très fidèle, je ne bouge pas. Mais ma chérie, tu es très fidèle, tu ne bouges pas là, mais il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. C'est celle-même qui n'est pas fidèle là-même, il est fou d'elle. Mais on va se dire la vérité. Il est fou d'elle. Donc, ta fidélité là, ça sert à quoi? Ta fidélité, ça sera. Garçon, même quand il est fond de toi, il fait quoi, fidélité, pas fidélité? Lui, il est fou de toi. Garçon, quand il est fond de toi, même s'il voit que tu le trompes, il ne va pas quelque part. Il se bat pour t'avoir. Il fait tout pour t'avoir. Oui, garçon, quand il est fond, il est prêt à tout. C'est quand garçon n'est pas bien fond là, même quand il te voit même dire bonjour à garçon, mais il dit c'est fini. C'est fini, je ne veux plus de toi. Tu me trompes. Tu n'es pas sérieuse. Je t'ai vu, tu parlais à un homme. Parce que lui-même, il cherchait occasion pour partir. Il n'est pas fin. Il cherchait occasion pour partir. Mais quand garçon est fin, quand garçon est fin, on vous parle des choses. Nous, on a été enseignés dans la rue. On a été enseignés dans la vie. La vie nous a enseigné. La rue nous a enseigné. Les difficultés de la vie nous ont enseigné. Donc, nous, là, on parle du concret. Nous, on dit les choses, les vraies choses. Les coachs qui n'ont pas vécu, les coachs qui sont restés dans les familles, à papa, 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 qui sont allés à l'école, là. Et quand ils s'asseyent, ils parlent là, ils parlent de quoi? Ils vont dire quoi? Ils sont pas allés sur le terrain. C'est comme ça, c'est comme les politiciens. Un président même qui est en train de faire meeting, il dit, je vais faire ça. Je vais donner 30 milliards. Je vais amener les jeunes. Il n'aura plus de chômage. Les jeunes vont travailler. Je vais aller dans tel quartier. Mais lui, en fait, ce président-là, lui, il est dans la théorie. C'est un président, il ne connaît pas la réalité. Il n'est pas sur le terrain. Moi, je suis une coach sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain. Voilà. Donc, pour moi, là, c'est yéré, yéré. Mais ceux qui ne sont pas sur le terrain, là, eux, ils parlent. Eux, ils parlent. Ils parlent pas. C'est ce qui est écrit. C'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont bossé. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme ça. C'est ce qui fait que quand président, quand un candidat gagne et puis il devient président, là, après, là, il n'a plus de succès. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Nous, on vous parle de quelque chose. On vous parle de quelque chose. Là, j'arrive à Abidjan bientôt. J'arrive à Abidjan là bientôt. Dans moins même de quelques semaines. Moins de 5 semaines, je suis à Abidjan. Mais ça dit que je dois aller à Abidjan. Déjà, mon carnet est plein. Mon carnet est plein. Il dit, mais vous allez me tuer. Il m'a à Abidjan pour me reposer avec mes enfants, ma famille. Mais vous ne voulez pas. Coach, je veux te croiser. Coach, je veux ça. Coach,
J'ai dit que, coach, on t'invite ici, coach, mon carnet est plein. Mon carnet est plein. Abidjan m'attend comme ça. Et puis quand il dit Abidjan m'attend, là, ce n'est pas les you-you à Dokafle. Les femmes de valeur, de qualité. Les hommes de valeur, de qualité, ils m'attendent là-bas. Parce que je suis yéré-yéré. Moi, là, je suis pertinente. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Oui. Donc, pour moi, là, il y a Dieu dedans. On dit, oui, quand tu ne voyages pas beaucoup, quand tu ne bouges pas beaucoup, je suis une mère de famille. J'ai des enfants à bas âge. J'ai des enfants à bas âge. Mes enfants sont encore très jeunes. Donc, je ne peux pas les laisser comme ça voyager. J'attends. Ils n'ont qu'à grandir un peu. Sinon, voyage, c'est quoi? Bien là, c'est quoi? Je suis assise, mais tout ce que je commande bien sur Internet, tout ce que je paye. Il n'y a pas de problème d'argent. Mais c'est à cause de mes enfants. Je suis une femme mariée, j'ai une famille, j'ai des enfants. Donc, je fais les choses en fonction de mes enfants. C'est ça une bonne mère. C'est ça une bonne mère. Voilà. C'est-à-dire les gens qui ont parlé. Oui, elle est comme ci, comme ça, elle est comme ci, comme ça. Mais au-delà, voilà le résultat. Je suis un modèle. Je suis un exemple. Dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Je ne dis pas dans un pays. Je suis suivi dans le monde entier. Et les témoignages que je reçois, laisse tomber. Les clients que je coach, laisse tomber. C'est pas n'importe quoi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand je finis à Abidjan, j'arrive au Togo. Je finis à Abidjan, j'arrive au Togo. Quand mes enfants vont grandir un peu, je vais faire toute l'Afrique. J'ai fait le monde entier. J'ai voyagé partout. Ne vous paraissez pas. Retenez ce nom-là. Coach Amon Chic, vous allez entendre parler de moi. Là, là, pour le moment, là, c'est sur Facebook, sur les réseaux sociaux, vous me voyez. Mais d'ici quelques années, je serai sur les réseaux sociaux, mais je vais arriver loin. Retenez bien ce nom. Coach Amon Chic, je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis tranchante. Je suis très tranchante. C'est-à-dire que si tu as joué avec moi, là, Dieu va te terrasser, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Pas moi, ce qu'elle fait là, il fait à mon cœur. Ce qu'elle fait là, c'est Dieu donné. C'est ma mission sur cette terre. Je me sens utile. Je me sens utile aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je dors bien. Dès que je touche, ma tête touche le coussin, je dors. Parce que je me sens utile. Je sais que je suis cette terre là, je ne suis pas là pour rien. Je sers à quelque chose. Voilà. Grâce à moi, il y a des gens qui sont bien. Grâce à moi, il y a des gens qui se retrouvent. Grâce à moi, mais vous ne pouvez pas comprendre. C'est plus que les milliards. Parce que si c'est l'argent, là, je suis à l'abri. Moi, je dis ça toujours. Je vous dis ça toujours. Si c'est l'argent, là, je suis à l'abri. Il y a là. Il n'est pas faim. Il n'y a pas de problème d'argent. Ce que je veux payer, je paye. Ce que je veux, je fais. Voilà. Mais aujourd'hui, je me sens plus heureuse. Je me sens plus épanouie. Parce qu'aujourd'hui, je sers à quelque chose. J'aide l'humanité. Je n'aide pas que les Africains. Je n'aide pas que les Noirs. J'aide aussi les Blancs. Parce que je coach aussi des Blancs. Je coach beaucoup de Blancs. Des Italiens, des Européens, des Américains. Je les coach. Vous avez compris? Donc ne me voyez pas en fistine. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Oui. Donc je vais vous dire ça. Les hommes. Toi, un homme, tu te retrouves dans cette situation. Il faut libérer ta femme. Libère ta femme. Reprends ton ex. Vivez votre amour. La vie est belle. La vie, elle est courte. Vivez votre amour. Ta chérie, ta femme, tu ne l'aimes pas. Libère-la. Faut la libérer. Au début, elle aura mal. Mais après, elle va te dire merci. Elle te dira merci après. Parce que quand elle va tomber sur un homme qui l'aime, quand elle va connaître ce qu'on appelle une femme qui est aimée, quand elle va connaître ce qu'on appelle une femme désirée, elle te dira merci plus tard. Pareil, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qu'on prend. Dès un premier temps, ça fâche. Ça fâche. Mais à la longue, on te dit merci. À la longue, on te dit merci. Une femme, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit, une femme, elle a le droit de se sentir aimée. C'est très important. C'est très important. Une femme, elle doit se sentir aimée. Une femme qui ne se sent pas aimée, c'est pas bon. Une femme qui ne se sent pas désirée, c'est pas bon. C'est très dangereux. Donne-toi une femme, quand tu es comme ça, là, faut quitter dedans. Quitte où tu es là, là. Tu vas voir, tu vas connaître ce qu'on appelle l'amour. Tu vas connaître ce qu'on appelle le vrai bonheur. Oui, celui qui t'aime pas, là, c'est pas lui qui t'aime pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Il y a quelqu'un d'autre qui va t'aimer. Toi, tu n'es pas son genre. Mais il y a quelqu'un d'autre là, tu seras son genre. Tu seras son genre. Je vous dis quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Vous aussi. Ah, me dit oui. Coach Amonchi, quand tu parles, il faut faire attention à ce que tu dis. Oui, parce que voilà ce que la Bible a dit. Vous les hommes de Dieu qui venaient sur mes pages, qui venaient mettre des commentaires, des versets, qui venaient m'insulter pour dire
Ce que je dis, c'est, ça n'a rien à voir avec la Bible. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Franchement. Hein? On va être hypocrite jusqu'à quand? On va être hypocrite jusqu'à quand? Vous-même, là, même vous venez mettre les messages comme ça sur mes posts, là. Mais vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez que ce que je dis est vrai. Vous connaissez les souffrances dans les foyers. Vous connaissez les souffrances dans les familles. Vous voyez comment les gens souffrent. Les gens meurent à petit feu. Vous voyez, vous savez. Mais vous venez tout le temps m'insulter parce que moi je dis haut. C'est que tout le monde pense bas. C'est que tout le monde pense bas. Moi je le dis haut. J'assume. J'ai des épaules très larges pour supporter toutes les critiques, pour supporter toutes les injures. Parce que tu vas m'insulter là. Tu vas m'insulter comment? Tu vas m'insulter là. Tu vas dire quoi sur moi? Elle est jolie comme moi-même. Jolie en haut. Jolie en bas. Jolie derrière. Jolie devant. Elle est jolie comme moi-même. Y'a tué. Je suis choco. Oh. Donc, tu vas m'insulter là, tu vas me dire quoi? Ton injure là, ça sera quoi, ma chérie? Mon frère, ton injure là, ça sera quoi? Rien du tout. C'est-à-dire que quand tu es en train de m'insulter comme ça, là, on sent que c'est l'aigreur. On sent que c'est la jalousie. Pas la coche, elle va tuer. Elle est pata. Elle est pata. Dieu l'a bénie. Moi, je suis bénie de Dieu. Tout ce qu'une femme demande sur cette terre là, y'a ça. Mari, y'a ça. Bon mari. Enfant, Dieu m'a donné jusqu'en deux. Et puis, il m'a donné les deux sexes. Là, j'ai ça. Je n'ai pas faim. Donc, j'ai tout ce qu'une femme doit avoir pour être heureuse. Donc, toi, tu vas me dire quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire qui va me faire mal? Rien. Rien. Mon frère, faut boire de l'eau, ça va te passer. Ma soeur, bois l'eau, ça va te passer. Parce que celle que tu vois là, elle n'est pas venue pour s'amuser. Elle n'est pas venue pour s'amuser. C'est quoi ça? Voilà, c'est votre coche choco, votre coche champagne, votre coche caviar, votre coche caviar, s'il vous plaît. Quand vous êtes liés là, quand on dit vous êtes fait l'un pour l'autre là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vas faire ce que tu veux, tu vas aller te marier, mais tu as fait enfant, tu as fait tout. Ça ne va pas aller quelque part. Pas être à moitié t'attend quelque part. Oui, c'est ta moitié qui t'attend. Donc mon frère, ton ex que tu n'arrives pas à oublier là, et puis tu es toujours avec elle, vous lovez juste quand tu es en train de négliger ta femme là. C'est ta moitié. Libère-toi, tu vas rester à ta moitié. Et puis libère la femme là, elle aussi elle va chercher sa moitié. Vous avez compris? Moi, j'ai fini de parler. Je vous laisse. Je vous laisse. Il y a trois séances de coaching. Trois séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. Et puis j'ai un coaching par rencontre. On se voit et puis on parle. Vous avez compris? Je suis la coach vraie. La coach vraie. Moi, là, quand il te prend à mon cœur. Voilà. Donc, les gens qui parlent, laissez-les parler. Laissez-les parler. Vous avez compris? Soyez intelligents. Soyez intelligents. Ne vous faites pas traîner par la masse. Voilà. Vous-même, là, réfléchissez. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on fait. Et puis, toi-même, c'est-à-dire, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de coachs. Vous regardez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout. Vous n'êtes pas obligé de copier tout. Mais prenez ce qui est vrai. Ce qui est vrai, là, prenez. Voilà. Pas un coach qui va venir s'asseoir là, qui parle là. C'est un être humain. Et puis, les directs là, c'est en direct. Ça veut dire que ce n'est pas des vidéos que tu enregistres. Tu enlèves les mauvaises parties. Tu reprends. C'est direct. Ça veut dire que ce que tu dis là, ça reste. Ce que tu fais là, tout de suite, c'est immédiat. Donc, quelqu'un qui est en train de parler, qui est en train de faire du coaching, qui est en train de parler, la personne peut dire des choses qui ne te conviennent pas. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise coach. Ce qui est vrai là, toi, ce qui t'arrange là, tu prends. Maintenant, ce qui ne t'arrange pas là, ça va arranger quelqu'un d'autre. C'est ça. Vous avez compris? Il est fini. Il a fini de parler. Là, il est très mal à la tête. Il est trop mal à la tête, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous allez cotiser. Pas, j'ai dit, j'ai mal à la tête, vous allez cotiser, mais là, vous allez m'insulter pour ça. Entends, je viens de vous faire passer un très beau moment. Un très, très beau moment. Mais payez un médicament pour moi là, vous allez m'insulter. C'est pas grave. Un jour là même, je suis vacciné. C'est ce qui fait partie même de mon ADN. Quand on m'insulte là même, je suis bien comme ça. Quand les pages sont en train de m'insulter, puis on m'identifie là. Quand même, voilà, je vois les injures, je dis, hey, merci, vous m'avez donné un peu de carburant. Je vais attaquer la journée. Donc, insultez-moi. Ça glisse sur ma peau. Vous avez compris? Ok. Alors, je vous fais de gros bisous. Gros bisous. Un homme a besoin d'aimer la femme avec qui il est. Une femme n'a pas besoin. Vous avez compris? Une femme même que tu soulèves, qui n'était pas sérieuse, tu peux la rendre femme en or. Tu peux la rendre mère en or.
Une femme, quand elle se sent aimée, quand elle est heureuse, elle devient une femme très bien. Vous avez compris? Voilà. Il y a ce qu'on a fait dans son passé. Et puis, il y a ce qu'on fait maintenant. C'est ce qui compte. Le présent, là, c'est ce qui compte. Passé, là, on ne fait rien, ça. Tant que tu es heureux, tant que tu es bien avec elle, c'est le plus important. Le reste, là, on ne gère pas. Toi, un homme, tu dois imposer ton choix. Un homme doit imposer son choix. C'est-à-dire que toi, un homme, si c'est cette femme-là que tu aimes, si c'est avec elle que tu veux être, il faut l'imposer. Tu l'imposes. Ceux qui ne veulent pas là, il ne faut pas les écouter. Dans quelques années là, ils vont revenir. Ils vont revenir. Eux-mêmes, ils vont t'applaudir. Eux-mêmes, ils vont dire tu as fait un bon choix. C'est comme ça. Parce que tu imposes ton choix. Les gens qui imposent leur choix, c'est des vraies personnes. Les personnes qui imposent leur choix là, ont longue vie. Vivent longtemps. Parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Les gens comme ça, ils ne sont pas hypocrites. Donc, ils imposent leur choix. Que tu le veux ou pas, c'est son choix. Voilà. Donc, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Soyez comme ça. Vous avez compris? On vit la vie là. La vie, c'est rien du tout. La vie, c'est rien du tout. Mon frère, tu meurs tout de suite là, c'est fini pour toi. Ma soeur, tu meurs tout de suite là, c'est fini pour toi. Tu vas tout laisser sur cette terre pour partir. On va t'enterrer seul, avec un drap sur le corps. Tu vas tout laisser. Donc, mon frère, ma soeur, vis ta vie. Fais ce qu'il te plaît. Fais un choix qui te plaît, où tu te sens heureux. Tu te sens heureuse. C'est ça. Fais ce choix-là. Même si tu as vécu 2 ans, au moins tu as connu ce qu'on appelle le vrai bonheur. Vous avez compris? Plutôt que de vivre 50 ans, et puis pendant ces 50 ans, tu n'as jamais connu de bonheur. Tu es toujours resté là à te mentir. Non. Faites pas ça. Vous avez compris? Bon, je vous laisse. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.